Or, l'autoroute 50 fait encore parler. Oui, on va discuter avec Elisabeth. Il y a eu un accident spectaculaire. C'est un véhicule qui a complètement traversé l'autoroute 50 avant de terminer sa course dans une cour. Oui, effectivement, Audrey, le moins qu'on puisse dire, là, c'est que ça fait vraiment une entrée remarquée là, pendant le brunch de Pâques. Heureusement, bien plus de peur que de mal dans cette histoire. Ça s'est passé dimanche après-midi sur l'autoroute 50, près de la sortie des Laurentides. Et selon les premières informations de la police, bien le conducteur du camion de style pick-up aurait eu un malaise au volant. Il aurait donc traversé les quatre voies de l'autoroute 50, heureusement sans entrer en collision avec aucun autre véhicule. Il aurait toutefois terminé sa course dans la cour d'une résidence du secteur. Beaucoup de dommages matériels, comme vous pouvez le voir sur les images, hein, notamment le véhicule, également la clôture et le cabanon du résident. Le conducteur, tout comme les propriétaires de la maison, eux, n'ont pas été blessés. Mmh. C'est vraiment là, la bonne nouvelle dans toute cette histoire. Oui, heureusement, parce qu'effectivement, ça donne lieu à des images assez spectaculaires. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous en prie.